Donc ça c'est mon grand-père. Mon grand-père, it's a bit the possessive adjective. Mon. Oh. D'accord? Mon, if it's a female, it would be ma. And if it's plural, it would be me. So, if you have two sisters and you want to say my sisters, what do we say? Mes sœurs. Très bien, mes sœurs. And if it's three brothers that you have, what would you say? Mes frères. Very good. So, possessive adjective works that way. Now, if you're just calling the noun itself, because in French you need to have an article describing the noun, whether it's a masculine or feminine word, that's why we say le or la. But for today, we're going to be using ma, mon, and mes. Okay, so when we look at a picture, we say mon grand-père. Mon grand-père. Mon grand-père, répétez après moi. Mon grand-père. Mon grand-père, très bien. Après, nous avons ma grand-mère. Ma grand-mère, très bien. Et ici, nous avons deux personnes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce sont des filles ou des garçons? D'accord. Donc, elles sont maman et enfant ou... Non, c'est une question. Je vous pose. Qu'est-ce que vous pensez? C'est maman et son fils. D'accord, on verra. Donc, ma mère et moi, par exemple. Ça peut être autre chose. It can be something else. But ma mère et moi. D'accord? OK, on met ça ici. OK, ici, nous avons combien d'enfants? Non, dans toute l'image, il y en a combien? Il y a quatre enfants. Donc, imaginons que ce sont des cousins. D'accord? Des cousins. Who can guess what cousin means? Cousins. Cousins, correct, correct. Now, do you recognize that when you say cousin in English, you say zin, and in French, you say zin. Cousin. Cousin. It spells exactly the same way, but it's pronounced differently. Mes cousins. Mes cousins. Mes cousins. Mes cousins. Très bien. OK. Parce que quand vous dites cousin, c'est soit masculin, soit une combinaison de masculin et féminin. Donc, si par exemple, il y a trois garçons et une fille et on veut les appeler ensemble, on dit mes cousins. Mais s'il y avait quatre filles, on allait dire quoi? Mes cousines. D'accord, voilà, pour le mot féminin. Voilà. OK, ici, on a deux frères. Donc, on va dire mon frère et moi. Mon frère et moi, par exemple. On peut mettre là, là-bas, d'accord. On peut remettre tout ça de la table, merci. Et ici, la raison pour laquelle on a ça, c'est parce que c'est une demi-sœur. Demi-sœur. Who can guess what that means? Yes, très bien. Half sister. Half is une demi. Demi. Demi-sœur. Demi-sœur. Voilà. Demi-sœur. Très bien. Et ici, on a le papa et son enfant. Donc, on va dire moi et mon père. Parce que ça, c'est le père. Mon père et moi. D'accord? Et ça, c'est moi. Peut-être moi. Et qu'est-ce que vous pensez? Cette carte est en train de dire quoi? Je n'ai pas de sœur. Je n'ai pas de sœur. Je n'ai pas de sœur. D'accord? Donc, je vais vous montrer les mots et puis je vais vous demander de placer les mots où vous pensez que ça c'est approprié. So, you're going to take the expression. And you're going to try and put it under the picture or above the picture that you think it represents. So here's one. Aha, voilà. Donc voilà les expressions. Voici ma mère. Voici ma famille, voici mon grand-père, voici ma grand-mère, j'ai deux frères, je n'ai pas de sœur, voici mon père, j'ai une demi-sœur, j'ai quatre cousins,
Et voici mon père. Mon frère, oh ça là.